à toutes et à tous. Alors, j'ai fabriqué un terrarium. C'est de la récupération d'une lampe IKEA qui très rapidement n'a plus fonctionné. Je m'en servais pour stocker des trucs en tant que boîte, mais c'était vraiment pas très pratique. Et du coup, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait pour la transformer en terrarium. Et en fait, aujourd'hui, c'est laquelle des cétoines ? Ce sont des cétoines dorées, donc c'est une espèce locale, française, il n'y a pas de souci, elles peuvent repartir dans la nature sans problème. Donc, il y a quelqu'un qui me les a envoyées. Alors là, vous voyez que le sol, la terre bouge. C'est mon mari qui prend la vidéo, merci chérie. Si tu peux zoomer, ce serait cool. C'était déjà fait. Super, donc c'était ça, vous entendez. Donc vous voyez que ça bouge ici, ce sont les cétoines qui sont en train de remuer. Je vais en mettre une partie dans le nouveau compost d'extérieur que j'ai conçu et fabriqué. Donc il est en rodage, on verra ce que ça donne à long terme. Et une partie dans le terrarium qui va retourner à l'intérieur. Alors, salut! On va tout doucement aller les chercher, en voilà une. Oui, je sais, je suis embêtante. Vous étiez à l'ombre, tranquille, et je viens vous emmerder. Alors, en voilà une. Hop, toc, voilà. Donc ça, c'est une cétoine. Hop là, oh, bah, elle est sur le dos. Voilà. Je te montre aux gens, mais je t'embêterai pas trop longtemps. Ça, c'est ce qui va donner les magnifiques cétoines dorées qu'on voit, qui sont... avec des reflets métallisés, bleus et verts, etc. Donc là, vous allez voir, elle est en forme, elle va bien, il n'y a pas de souci. Hop, je la fais glisser, je vais la mettre... Bon, je voulais le faire un peu plus délicatement, même si, bon, on s'en fout, je pense. Je vais la mettre ici. Alors, hop, viens voir si tu pourras mieux t'enfouir. Là, il y a une grande profondeur, une très grande hauteur pour que les animaux puissent s'enfouir. Les cétoines ont besoin d'aller sous la terre. Voilà. En voilà d'autres. Hop. Donc je vais en mettre une partie. Hop là. Oui, ah, tu me chatouilles. Aïe. Hey, la chatouille avec les pinces. Oui, je sais, en même temps, c'est de ma faute. Hein, c'est moi qui les emmerde. Hein. Elle est déménagée comme ça. Donc je vais en mettre quelques-unes en haut. Hop. Et elles vont se transformer au fur et à mesure du temps, et puis je vais en poser quelques-unes en bas et je leur mets un peu de substrat également. Alors ça, c'est issu d'un compost, donc oui, je suis gentiment en train de tripoter les déchets de quelqu'un d'autre. C'est la vie, hein, c'est la nature. C'est issu d'un compost et là vous le verrez pas parce que la caméra permet pas, je pense, de faire des zooms d'aussi bonne qualité, mais on voit qu'il y a des toutes petites larves, des tout petits insectes d'autres espèces. Hop, alors je vais pas démolir la boulette parce que voilà, alors tout doucement, là dans la boulette on voit qu'il y a une larve. Et en fait ça c'est une des formes où elles viennent, alors pas ici parce que j'avais prévu de leur mettre la gamelle, ces boulettes là, hop là, tout doucement, ces boulettes là à l'intérieur elles vont se transformer, elles vont modifier leur corps. Je reviendrai sur les termes un peu plus techniques, corrects et scientifiques une autre fois. Mais du coup, faut pas les péter ces boules. Là, c'est pas encore une boule. Je sais pas trop si elle va bien. Je vais flapper. Remettre encore quelques-unes. Et puis le reste ira dans le nouveau composteur. Voilà. Hop, encore deux ici. Hop, 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 hop. Ah, je sais, je vous secoue dans tous les sens, mes pauvres. Hop, donc vous voyez, elles sont belles, hein. C'est vraiment des belles. Ça chatouille, je ne vous dis pas. Ah oui, je sais, non, je sais, c'est bon, je vous laisse. Oui, parce que leur réflexe, celles-là, elles sont pas très confort. Elles veulent retourner sous terre, donc c'est de creuser. Hop. Et le reste, ça va partir dans le grand compost, on y va. Alors ça c'est pas encore fixé, je ne sais pas encore comment on va faire pour ce système là. Cette terre. La terre il y en a au fond. Mmh. Hop. Voilà. Alors étrangement ça sent super bon. Il y a de la lavande, il y a de la menthe, il y a plein de fleurs mélangées. C'est assez rare de dire ça. Vous voyez la quantité de cétoine. C'est beau hein, le H. Je suis vraiment très contente de cet achat, j'ai trouvé sur le bon coin. Quelqu'un qui est en France aussi, ce qui est assez important pour...
les espèces. Et voilà. Donc là, il y avait une centaine de ces toines dorées pour 20 balles. Et ça, après, je vous montrerai ce que ça va devenir. Et elles vont aussi participer au compost. Je pense que la plupart des vers sont en dessous. Et là, on voit justement qu'ils sont en train de rechercher à creuser, à se planquer à l'ombre et tout ça. Et ils vont chercher la terre. Il y a de la terre au fond. Il y a un peu tout ce qu'il faut déjà là-dedans. Voilà, magnifique. Elles sont vraiment très, très, très belles. Et voilà, à plus tard. De retour depuis le derrière de mon PC, on va parler justement derrière de ces toines, mais aussi face et tête. Là, sur la première photo que je vous montre, il y a une cétoine. Vers la partie avant, vers les doigts, il y a la tête qui est vraiment toute petite, brune. Et le cul, en fait, parce que des fois on se dit un peu où est la tête, où est le cul avec les larves, c'est pas évident. C'est donc la partie postérieure, c'est la partie qui est vers mon poignet et qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus noire, sombre, et qui est beaucoup plus grosse. La cétoine a donc un cul plus gros que la tête. Ce qui est le contraire justement des hannetons. On y reviendra un peu plus tard. Sur la deuxième photo. La deuxième photo, donc, c'est plusieurs larves, il y en a quatre, et on voit bien cette position de, il faut le dire, assez stress de venir se rouler en boule pour se protéger. Donc là, elles cherchent à se protéger et elles vont chercher à s'enfouir dans la terre. Bon, il s'est avéré que j'ai lâché assez rapidement parce qu'il n'y avait pas la terre dessous, elle, mais ma main, et que c'est pas très agréable. Ça fait pas mal, mais ayant une peau très fragile, voilà. Et puis bon, j'ai pas envie de les exposer au soleil trois plombes. Alors qu'elles n'aiment pas ça, c'est pas super sympa quoi. L'image suivante, c'est vraiment génial, c'est des personnes qui mettent ça à disposition. C'est une image justement des cétoines adultes, donc c'est bien des scarabées, et on voit la multitude de couleurs qu'il peut y avoir dans la nature avec cet aspect métallisé et vraiment de très très nombreuses couleurs. Bon, généralement c'est plutôt bleu, vert, pas aussi beau et... que ça, mais voilà. Je vous ai mis également sur les photos la source. Là, c'est le site d'André Lequet. Franchement, si vous avez 5 minutes pour de l'entomologie, allez vous éclater dessus. Si vous n'aimez pas l'entomologie, au moins ces historiettes, c'est à se pisser dessus de rire. J'y vais au moins une fois par an ou tous les deux ans pour me faire une cure de rire, de joie et d'amusement. Ce qui n'est pas forcément habituel hein, pour les sites d'entomologie, mais vraiment c'est un très très bon site, je vous mettrai le lien en barre info bien sûr. Et la dernière photo, c'était pour bien distinguer les hannetons, qui sont donc sur la photo les deux larves du haut, avec une très grosse tête, des pattes très visibles, et puis on le voit plus ou moins bien, les mandibules. Donc la couleur, c'est pas toujours un bon indicateur, mais en l'occurrence, ce sont ceux qui sont beige-brun, avec une grosse tête, et les deux cétoines sont en bas, beaucoup plus clair et surtout la grosse partie noire qui sur l'image encore une fois est en bas du bas, c'est le cul, la tête, c'est la petite, c'est le petit machin brun tout au bout du gros machin blanc, c'est clair non? Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus sur les cétoines ou que ça vous paraît peut-être moins berque, c'est dégoûtant, c'est des insectes. Ça participe à la vie, à des écosystèmes, ça mange en l'occurrence du bois mort, donc ça ne s'en prend pas à nos plantes en jardinage, etc. Moi je trouve ça très joli, mais encore une fois... chacun ses goûts. Et puis je revenais un peu sur un dernier petit point, c'est que la cétoine va donc commencer son cycle de vie par un œuf, puis par une larve, et enfin ce qu'on va appeler l'adulte, l'imago, ou stade imaginal, je crois. C'est vraiment un animal qui nous montre une très 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 belle évolution, et je trouve ça toujours assez impressionnant. De voir à quel point ça peut changer d'un moment à l'autre de sa vie. Voilà. Je vous souhaite une belle bonne journée et puis de bien prendre soin de vous. Au revoir.